Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors petite vidéo du jour, donc nouveauté nouvelle du papy, spécial bien entendu anniversaire, voilà, dans laquelle donc, comme vous l'avez deviné et comme le titre l'indique, je vais vous présenter donc les cadeaux que j'ai reçus et puis aussi les quelques achats que je me suis fait pour mon anniversaire. Voilà, avant de continuer donc je tenais à remercier du fond du cœur mes amis, donc Lucas Bataillot, Lucas BTL sur YouTube, mon ami Damien Tell et donc sa fameuse boutique sur Vinted, mon ami donc Mister Caton qui m'a également donc envoyé un petit cadeau, mais pour le coup qui m'a demandé donc de ne pas l'ouvrir avant la revue, donc voilà, je vais la découvrir du coup le contenu en même temps que vous. Mes quelques achats donc effectués sur le site Osaka Toys. Des achats et cadeaux également donc réalisés auprès de mon ami Alexandre et puis bien entendu donc voilà les cadeaux de la famille, donc ma femme entre autres et puis mon beau-fils Igor. Tout n'est pas encore arrivé mais voilà, le principal est quand même là. Donc je vous remercie tous, je vais bien entendu vous remercier au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, d'avance merci à vous les copains, hein, merci pour tous ces petits présents, ces cadeaux, ces achats, ces opportunités donc que j'ai réussi à faire. Voilà, je vous embrasse d'avance et puis bah voilà, je crois que le ton est donné, donc que dire à part, c'est parti, let's go pour la découverte des cadeaux du papy. Ouais, des cadeaux, ouais, moi aussi je veux des cadeaux. Oh ouais, moi aussi je veux des cadeaux. Ah, et ben justement, l'un de vous deux aura un petit cadeau. Ah, c'est vrai ça. Ah, mais c'est qui? Ouais, c'est qui? Hein, pas le papy, c'est toujours lui. Mini moi qui a des cadeaux. Ouais, bah c'est normal, hein. Moi je suis la vieille mascotte, c'est tout à fait légitime. Je n'en dis pas plus, vous le saurez en suivant cette vidéo. Ouais, tu te fous de notre gueule, mec. Bon, bah, écoutez, on vous laisse découvrir la petite vidéo. Et puis, bah, comme toujours, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, bonne vidéo, les mecs. Ouais, bonne vidéo, les mecs. Tchuss, tchuss. D'avance, je m'excuse donc pour ma voix un petit peu cassée avec voilà les changements de température. J'ai pris un peu froid et mes cordes vocales ont assez morflé. D'ailleurs, ça doit s'entendre. Donc d'avance, hein, désolé pour cette voix assez particulière. Donc on va commencer dès maintenant donc par les cadeaux. Et puis bah, pourquoi pas commencer donc par les cadeaux que j'ai reçus donc de mon ami Lucas, aka donc Lucas BTL sur YouTube. Alors voilà, une petite enveloppe reçue donc de mon ami Lucas. À la base il y en avait deux, mais voilà, j'ai tout réuni en un seul, avec donc un petit mot qui fait toujours bien plaisir. Coucou Sylvain, je t'envoie quelques TF qui va être bientôt dans ta collection. J'ai fait du tri dans mes TF et j'ai pas envie de les jeter. Je t'enverrai un autre plus tard car je ne l'ai pas sous la main. Ton ami Lulu. Voilà. Donc petit mot qui fait toujours bien plaisir, hein, puisque j'aime bien aussi avoir les petits mots. Alors on va découvrir le contenu tous ensemble. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Voilà. Notamment celui-ci. Alors pas de surprise, hein, puisque voilà, c'était mon anniversaire. Donc j'ai voulu quand même les ouvrir avant. Hein. Je n'ai pas eu le courage de faire un mes quoi cookies. Donc voilà, nous avons ce petit Transformers Movie. Voilà, de la gamme Movie. Un petit bateau militaire. Plutôt très très sympa, j'aime beaucoup, hein. Je dois l'avoir d'ailleurs dans une de mes caisses. Nous avons ensuite, voilà, la version Legend Class du Megatron, issu du film The Last Night. Nous avons un petit Transformers Cyberverse, voilà, de notre leader des Autobots, Optimus Prime. Des petites pièces Lego, ça fait toujours bien plaisir. La version Legend Class de notre Decepticon Barricade, voilà, issu du film, du premier film tout simplement, j'allais dire des conneries. Non, c'est voilà, c'est la version Legend Class du premier film. Ensuite, nous avons juste ici, regardez-moi si c'est joli, voilà, hop.
un autre petit TF, super joli, je l'aime beaucoup, j'aime bien le mode halt assez futuriste, il est vraiment bien fichu, voilà, de très jolies finitions, celui-ci vraiment je le surkiffe. Nous avons ici donc voilà un autre Movies, donc un des membres de la team, donc Dinobots, et puis là le truc d'enfer, voilà, que je vais m'empresser donc hop là, que je vais m'empresser donc de comment de mettre sur mes étagères plus précisément donc des gammes sur mes, dans ma vitrine, donc concernant, je vais y arriver, excusez-moi, concernant donc la trilogie War for Cybertron, voilà, donc War for Cybertron, Earthrise et Kingdom. Il ira rejoindre donc la team de Megatron. Il s'agit donc de Crimzik, voilà, que l'on voit donc dans un des épisodes de G1, tout translucide. Voilà, super bien fait, vraiment adorable. Donc voilà, hein, pour les petits cadeaux de mon ami Lucas. Voilà donc de bien jolies choses que voilà. Merci Lucas, ça me fait infiniment plaisir, vraiment, voilà, de super chouettes cadeaux. J'adore, je kiffe, je suis super content, donc merci mon poteau. Cadeau de mon beau-fils aîné à présent, Igor, puisque voilà, on tient à laisser donc son véritable prénom dans l'anonymat le plus total. Donc le fils aîné de ma femme, donc mon beau-fils, voilà, qui m'a offert ce splendide, voilà, coffret 4K Ultra HD Blade Runner, voilà, l'édition collector de La Muerte, voilà. Donc avec voilà, avec un intérieur, donc la version Final Cut en version remasterisée 4K Ultra HD, la version originale de 82, la version Director's Cut de 1991, donc en Blu-ray, la version Final Cut en DVD, un livret de 72 pages concernant donc les coulisses et voilà, les préparatifs et tout ce qui a trait donc au film et au tournage, et plus de 7 heures de bonus exceptionnels. Je suis fan de voilà, d'ambiance cyberpunk. Blade Runner, forcément, c'est un incontournable. Je surkiffe le film. Alors, j'ai déjà une édition Blu-ray, mais une édition Blu-ray vraiment standard, hein, l'une des premières versions qui était sortie il y a déjà quelques années. Là, voilà, j'ai aujourd'hui le coffret ultime en 4K, de quoi se faire péter les rétines. Et de ce que j'ai vu donc des avis sur Internet, voilà, l'image est absolument splendide, voilà, il n'y a rien à dire, les avis sont tous unanimes à ce niveau-là, donc voilà, un coffret magistral d'un film qui l'est tout autant. Merci Igor, ça fait super plaisir. Donc le colis du second fils, donc de mon second beau-fils, Grishka, lui, devrait arriver dans la semaine. Allez, je te refais des bisous mon petit Igor. On passe à présent donc au cadeau de ma femme. Donc il y a un 3/4 en cuir que je ne peux pas vous présenter, hein. Voilà, il est un peu grand, j'ai pas envie non plus de me montrer à la caméra, puisque comme je le dis toujours, hein, c'est pas moi la star, ce sont mes jouets. Donc voilà, un petit manteau 3/4, pas un 4/4, parce que le 4/4 c'est le gâteau. Le 3/4 donc, un joli 3/4. Quasi neuf, voilà, dans un état absolument irréprochable, qui me va pile poil. Donc on a trouvé dans une friperie sur Saint-Nazaire. Donc voilà, déjà petit cadeau donc qui fait grandement plaisir. Ensuite, toujours par ma femme, voilà, cette petite boîte Creator, Lego Creator. Alors je trouve le vaisseau absolument superbe, vraiment très très classe, mais ce n'est pas tant le mode vaisseau qui m'intéresse, parce que si vous regardez bien juste ici, voilà, je vais faire un petit zoom, voilà, une petite mise au point, nous avons juste ici donc la possibilité de faire un petit mecha. Vous l'aurez compris, mini moi aura lui aussi à présent donc son petit mecha. Voilà, on le voit, voilà, en un peu plus gros juste au dos de la boîte. Voilà, super cute, voilà, j'en connais un qui va être vachement content, et c'est peu dire. Wow, c'est trop cool! Ouais, j'aime mon mecha! Bon bah, au moins pas de doute, ça fait super plaisir à mini-mini-moi. Et puis donc, toujours par ma femme, j'ai reçu, voilà, cette petite tablette. Alors, hop, je vais, voilà, diminuer et faire une nouvelle petite mise au point. Voilà, cette petite tablette, une tablette Chromebook. Voilà, avec une très jolie coque à l'arrière.
Et puis donc le ce système là hein, donc qui permet, alors c'est magnétique comme vous pouvez le constater, et donc on a un petit système qui permet donc voilà de pouvoir poser la tablette. Alors pourquoi une tablette hybride? Ah, tout simplement, alors je vais remonter l'éclairage parce que ça fait un peu dégueulasse, tout simplement parce que voilà, cette petite tablette Chromebook est fournie avec un clavier magnétique, voilà, qui en un clin d'œil donc transforme la tablette en un voilà en un mini ordinateur portable, donc fonctionnant sous l'OS Chromebook. Voilà le truc absolument sensationnel. Chromebook est voilà est un système d'exploitation vraiment super léger au vu de la puissance de la tablette. Voilà, elle vous permet donc de pouvoir faire du traitement de texte, du surf, de l'internet, de la vidéo 4K, Netflix, tout un tas de choses, même du jeu Android, puisque elle fonctionne aussi, Chromebook étant une application, enfin un OS Google, donc on retrouve toutes les applications Google. Voilà, donc une super tablette avec un écran 4K de toute beauté, et puis vous l'aurez remarqué, hein, voilà mon petit fond d'écran avec le symbole Decepticons. Voilà, une tablette qui vous a de la gueule, vraiment très sympa. Alors j'ai déjà un ordinateur portable, hein, un Acer Nitro 5, mais qui me sert avant tout donc pour bosser, pour le gros travail, par exemple le montage de mes vidéos, du travail professionnel ou encore du jeu, puisque voilà le Nitro 5 c'est vraiment une bête de guerre. Là j'ai quelque chose de voilà de plus fonctionnel, de petit, de voilà peu encombrant, léger, pratique aussi pour bosser, pour faire du taf, voilà pour faire du taf et en même temps pour faire du loisir, quelque chose qui ne prend pas de place et donc qu'on peut emmener partout. Voilà, et l'OS Chromebook, hein, j'y tenais vraiment parce que voilà les OS Windows en général prennent pas mal de ressources sur ce genre d'appareil hybride, et là donc je voulais quelque chose qui soit le plus performant et le plus fluide possible. Donc voilà un magnifique cadeau que m'a fait ma femme. Je suis super heureux vraiment d'avoir voilà cette petite tablette absolument ravissante. Yes, bisous mon chat. Alors on continue à présent donc avec un colis qui me voilà qui provient de mon ami Alexandre, voilà, qui m'a laissé donc ce petit mot que je vais aussi garder précieusement. Bon anniversaire, Papy TF, avec donc une petite vignette de Hulk. Voilà. Et à l'intérieur, donc nous avons un Graal. Voilà, nous avons le. Je baisse la caméra rouge. Hop, nous avons le Power Master Optimus Prime. Alors, hop, je vais éviter de regarder la caméra rouge, sinon ça va me gêner. Voilà, le Optimus Prime Power Master, il est complet. Pas de casse, rien, en super bêta. Voilà, j'avais, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder mes revues, donc Retour vers le passé consacré donc au Transformers G1, je possède donc la version Takara. Version Takara qui diffère un petit peu hein, en termes de finition, mais surtout la version Takara qui apporte une remorque supplémentaire en la présence donc de God Bomber, voilà, pour former donc le God Jinrai. Là, donc, nous avons la version américaine, comme ça, à présent, j'ai la version US et la version japonaise, voilà, qui vont pouvoir tous deux trôner fièrement, voilà, sur les étagères de mes vitrines. Il est absolument sensationnel, hein, j'ai joué un petit peu avec, bien entendu, et voilà, tout fonctionne à merveille, c'est une petite pépite. Voilà, déjà, un cadeau absolument magnifique, et nous avons également, donc, à l'intérieur, la notice qui va avec. Ça c'est super cool d'avoir une petite notice d'époque. Et puis juste ici, nous avons, hop, voilà, je réduis à nouveau, nous avons une réédition qui est sortie, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, qu'on pouvait trouver sur Capotoy, à l'époque on pouvait encore acheter en Angleterre. Voilà, donc il s'agit d'une réédition donc de l'Autobot Outback. Voilà, je vais y arriver, hein, qui est en fait un repaint et retool donc de Brown. Voilà, petite différence, c'est que celui-ci, comme dans le dessin animé, donc a son canon, voilà, qu'on peut mettre en mode véhicule. On le met sur le toit. Donc voilà, ça c'est super cool, un joli petit cadeau aussi qui va aller donc dans ma vitrine. J'ai la version bien entendu d'époque, mais voilà, j'ai perdu, c'était le mien de quand j'étais petit, et donc j'ai perdu depuis le canon. Donc le voici complet. Donc voilà, hein, de mon ami Alexandre, hop, donc je racapépète le
Power Masters, Optimus Prime et le G1 Outback. Voilà, une petite réédition donc sortie tout récemment. Merci, mon petit... Merci, ma poule. Voilà, merci infiniment, ma poule. Tu as fait un heureux une fois de plus. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on fait des tractations ensemble. Donc voilà, respect mutuel et amitié sincère. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'avoir enfin donc ce petit, voilà, ce petit pépère. J'ai eu quelques occasions de le trouver, mais voilà, jamais dans des prix que je voulais mettre. Et là, pour le coup, donc c'est impeccable. Voilà, un petit rêve, un petit caprice plutôt, qui se réalise, parce que je le voulais être en mots, mais puis j'ai pas réussi à l'avoir, tout comme le Optimus G1 de l'époque. Donc voilà pour l'anecdote. Voilà, donc un rêve de gosse quand même qui se réalise. Yes! Je vous ferai d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez, donc une petite revue sur ce dernier, avec pourquoi pas, donc avec pourquoi pas, oui, un petit comparatif avec la version Takara. Hein, si vous voulez le voir dans une prochaine revue, n'hésitez pas, bien entendu, à me le signaler donc dans les commentaires. Ouais. Toujours dans les cadeaux, on continue cette fois-ci donc avec une enveloppe que j'ai reçue fin de semaine dernière de mon ami MK, Mister Caton, ou voilà, en civil, Laurent, à qui m'avait bien précisé à ouvrir seulement en vidéo. Tu vois, j'ai tenu ma promesse malgré la fébrilité. Alors, je suppose, hein, de par l'enveloppe, qu'il s'agit donc d'un artwork. Voilà, je m'attends bien sûr à avoir un truc de malade, parce que voilà, t'es un dessinateur vraiment très talentueux. Tu fais des choses absolument superbes. Et voilà, donc... lecture de l'autre côté. Voilà, on a même des indications, hein, voilà. Salut mon ami, pas de compliments cette fois, tu en as eu assez, lol. tu as pu voir sur l'enveloppe à ouvrir seulement en vidéo, et tu as vu, toi, hein, j'ai respecté ce que tu m'as demandé de faire. Alors, comme je ne peux pas voir ta réaction, je veux juste l'entendre. Il n'est pas parfait, mais je pense qu'il te fera plaisir, Laurent. Alors, monsieur est vraiment humble, parce que pas parfait, ça je n'y crois pas, venant de Mister Caton, c'est impossible que ce ne soit pas parfait. Voilà. Ah, et puis déjà bien plastifié, protégé, ça j'adore. Voilà, c'est déjà rien que ça fait plaisir. Allez, voilà, il est là, on y va, on découvre ça tous ensemble. Allez, je tourne. Oh, pour mon ami Sylvain, Mister Caton. Alors là, bon, ceux qui me connaissent, hein, vous êtes nombreux maintenant, depuis le temps. Devastator, c'est quoi? C'est tout simplement mon Decepticon préféré, avec Soundwave, Shockwave. Devastator. Alors en plus, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, en lui disant, en lui suggérant du moins, que ce serait bien un jour qu'il fasse un petit père Devastator, que voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et là, il m'a répondu que malheureusement, Devastator était ultra complexe, que ce soit en termes de dessin, de finition, de proportion, et que voilà, pour lui, c'était juste pas possible de s'attaquer à un monument pareil. Eh ben, tu m'as bien eu, mon petit gars, parce que là, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Oh, il est divin. Il est absolument magnifique. Regardez-moi ça, la qualité des proportions, le respect, on a tous ces petits détails, les couleurs, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un truc de voilà, un artwork tout simplement, quoi, un truc de véritable artiste que tu es, voilà, avec un fond voilà, qui détonne un petit peu, vous voyez, enfin, ça rend bien en vidéo, hein, mais ça rend pas aussi bien que ce que moi je vois à l'œil nu. Wow, il est magnifique, franchement, il est magnifique. T'as dû en chier, mon pauvre ami, pour voilà, pour réaliser ce petit chef-d'œuvre. Mais là, voilà, ça c'est voilà, là c'est, comment vous dire, ah, j'ai plein de mots, mais pas l'équivalent de ce que je ressens vraiment, quoi, à la vue de cette merveille. Alors bien évidemment, bah il va forcément trôner sur mon mur des dessins, des petits mots et autres,
Waouh, il est du tonnerre. Je me demande même d'ailleurs si je vais pas le mettre sous cadre, parce que là, franchement, c'est la première fois qu'on fait un dessin de Devastator. Moi, j'en suis incapable, hein, je dessine, mais vraiment, voilà, pour mon plaisir. Là, c'est vraiment du travail d'artiste. Il est absolument magnifique. Waouh, je suis vraiment sur le cul. Merci, mon Lolo, merci Laurent, merci vraiment c'est grandiose. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est grandiose, il est somptueux, il est, voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Il est absolument splendide. Là, je suis vraiment très touché, ça m'émeut vraiment beaucoup. Devastator, mon chouchou, quoi, depuis que je suis gosse. Ça a commencé avec le dessin animé, la première fois où j'ai vu la team des Constructicans. Voilà, j'avais trouvé que c'était fun d'avoir des engins de chantier qui se transforment en robots. Mais encore plus surpris, et c'est là que le déclic a eu lieu en voyant que tous ces robots pouvaient former ce colosse. Voilà, et c'est aujourd'hui toujours mon Decepticons préféré, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avec donc Soundwave et Shockwave. Pouah, il est magnifique. Merci, merci mon petit. Mon Lolo, merci franchement. Bah, je t'enverrai un petit message en MP tout à l'heure, hein, pour voilà, pour discuter avec toi, et vraiment, voilà, pour te remercier encore par écrit. Ouais, c'est beau, c'est juste beau. C'est, voilà, ça, voilà, un truc comme ça me fait ma journée, ma semaine. C'est, voilà, un dessin d'un grand artiste. Voilà, waouh, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Alors on continue, bah oui, parce que c'est pas fini, hein. J'ai quand même été vachement gâté, donc cette fois-ci avec un colis donc de mon ami Damien Tell. Vous connaissez à présent, hein, il a une boutique sur Vinted. De toute façon, je remettrai les liens en description, hein. Voilà, donc quelques achats que j'ai effectués chez lui, et un cadeau également donc qu'il m'a fait pour mon anniversaire. Et croyez-moi, quand j'ai vu ce que c'était, je suis tombé sur le cul. À chaque fois qu'il m'offre des mechas, c'est toujours un truc de fou. Et bah là, ouais, là, c'est encore un rêve de gosse qui se réalise. Donc on verra ça juste après. On commence d'abord parce que je le lui ai acheté. Ouh, je vais y arriver. Alors nous avons tout d'abord, regardez-moi cette petite beauté. Nous avons donc le Scharinger Tank, qui n'est autre que le tank du Space Sheriff Sharivan, voilà, à l'échelle de luxe, la petite trappe qui s'ouvre avec la petite foreuse cachée, voilà, qui, tout comme le véhicule, le tank d'Ixor ou de Shader, donc peut se séparer en trois parties. Voilà, donc je ferai une revue dessus de toute façon. Hein, pour l'instant, je préfère me focaliser vraiment sur le Super Sentai. Et par la suite, donc, je vous ferai des revues sur les Metal Heroes, hein, qui restent vraiment, voilà, ma catégorie préférée dans l'univers des tokus. Et puis donc, on a même, hop, alors je sais pas si on peut l'ouvrir comme ça en mode tank, ouais, si c'est possible. Voilà, on a même, petite cerise sur le gâteau, la petite figurine monochrome, voilà, qui est toujours présente. Le genre de choses que la plupart du temps, voilà, est manquant sur ce type de véhicule. Donc voilà, ça c'est vraiment super, quoi. Le Scharinger, enfin mien. Donc je crois que j'ai quasiment torché ma collection Metal Heroes à présent, puisque j'ai, voilà, j'ai même pas quasiment, j'ai tous les véhicules, donc des Space Sheriff, de Jaspion, de Spilvan. Voilà, donc nous avons, voilà, le Scharinger Tank. Hop, je continue. Nous avons cette fois-ci, puisque je parlais de Jaspion, voilà, nous avons la SH Figuarts, donc de Jaspion ou Jespion. Voilà, le Metal Heroes, qui est, ma foi, je l'ai ouverte, hein. Là, je vous la montre en boîte, je l'ai ouverte, elle est absolument magnifique, avec l'épée normale et l'épée donc en mode, voilà, finish him, avec donc là la visière avec les yeux allumés. Vous avez également la visière sans, et il a également donc son petit gun, voilà, le SH Figuarts en hommage donc à Jaspion. Voilà, cette fois-ci donc pour Jaspion, bah, j'ai la figurine, j'ai le Daileon, et j'ai son tank, et j'ai sa moto. Donc voilà, collection Jaspion terminée, sauf si un jour, bien entendu, je trouve une figurine d'époque à un prix décent. Voilà, voilà, voilà mes deux petits achats donc effectués.
auprès de Damien. Et comme je vous l'ai dit, donc, il y a également un petit cadeau. Petite façon de parler. Alors, les puristes vont reconnaître. Les autres, ça n'évoquera absolument rien. Et à juste titre. Voilà, je vous montre le premier. Voilà, le Google Jet. Voilà, je vais me focaliser un petit peu plus là-dessus. Voilà, le Google Jet. Suivi du Google Tank. Que voici, que voilà. Et pour finir, hop là, le Google Dump. Voilà, tous trois donc fusionnant pour former donc le fameux Google 5, l'un des premiers robots avec plusieurs véhicules donc dans l'univers des Super Sentai. Hein, il date du début des années 80, il est très vieux, fait par Poppy, j'insiste, donc voilà, vraiment gage de qualité. Alors c'est vrai que ça paraît super kitsch maintenant, mais voilà, c'est quand même l'un des premiers à être sorti, et je le trouve, ma foi, fort, juste magnifique. Alors il n'a pas les accessoires sont en chemin, je les aurai par la suite, donc de façon à ce qu'il soit complet à 100%, puisque mon ami Damien, donc à chaque fois, voilà, aime bien donc m'offrir des choses le plus complet possible. Voilà, c'est son challenge à chaque fois, qu'il remplit toujours à merveille. Donc voilà, un autre rêve de gosse, un autre Graal, donc le Google 5. Voilà, j'avance encore plus dans ma collection Super Sentai, hein, il ne me manque plus beaucoup de robots, si je dis pas de conneries, dans tous ceux que j'aime, en tout cas, puisque je ne veux pas tout non plus. Il doit rester deux ou trois mechas, et j'aurai donc l'intégrale de ce que j'aime donc dans les robots Super Sentai. Voilà, donc petit récapitulatif, hein. Hop, 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 donc le trio formant le Google 5, le Scheringer Tank de Shader et la SH Figuarts de Jaspion. Merci mon petit Damien, je t'ai déjà remercié par mes messages hier, on a eu l'occasion de discuter comme on fait très régulièrement, quasiment tous les jours d'ailleurs. Voilà, je te remercie infiniment à nouveau de faire de l'enfant qu'il y a encore en moi ou que je suis, réaliser des rêves de gosse, des choses complètement inaccessibles pour moi jusqu'à présent. Voilà, grâce à toi, j'ai jamais eu une collection aussi belle, tout simplement aussi belle, aussi conséquente, de Mecha Super Sentai et Toku. Donc voilà, je te bise à nouveau bien fort, mon petit Damien, et puis voilà, plein de bisous, et donc à très vite, probablement donc à ce soir en MP. Et nous allons pouvoir à présent terminer donc par le dernier carton, qui n'est pas des moindres non plus. Donc voilà, de quelques achats que je me suis payé, que je me suis offert pour mon anniversaire, donc auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys. Alors nous avons bien entendu un petit peu de Transformers pour changer. Pas de grande nouveauté hein, d'annoncer pour l'instant. Je suis comme tout le monde, j'attends la nouvelle vague Kingdom et Studio Series Movies 86. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Donc voilà, j'ai hâte que ça soit quand même disponible chez nous. Donc nous avons juste ici donc le Kingdom Core Class. Voilà, Core Class, donc ça veut dire que c'est une échelle hybride, plus grand et plus complexe qu'un Legend Class, et plus petit donc qu'un Deluxe. Nous avons donc le Core Class Soundwave, voilà, mon chouchou, évidemment, hein, je peux pas passer à côté d'un Soundwave, c'est juste impossible, voilà, qui est plutôt pas mal du tout, hein, et en plus il a son arme, et il a voilà son petit micro d'écoute juste ici, il est plutôt joli, hein. Voilà, dans son mode alternatif, il se transforme donc en 8 étapes, ce qui n'est pas étonnant puisque Soundwave de base quand même a une transformation assez rapide, hormis pour le Masterpiece. Donc nous avons, voilà, tout d'abord, hop là, petite mise au point, donc le Kingdom Soundwave, et nous avons ici, voilà, le leader des Autobots, notre petit père Optimus Prime, avec son blaster, toujours dans la gamme, donc dans la collection Kingdom, et donc voilà, dans la gamme Core Class. Voilà, le petit père Optimus, qui est plus joli en robot qu'en véhicule,
Les proportions du véhicule sont assez atypiques, mais voilà, il a de la gueule, il est plutôt joli, voilà, il se transforme en 11 étapes, ce qui est correct hein, pour un corps classe, et puis bah, en termes de points d'articulation, il m'a l'air d'être plutôt bien gaulé. Donc voilà, encore quelque chose qui fait, voilà, qui fait super plaisir. Voilà, deux petits cadeaux, donc deux premiers petits cadeaux que je me suis fait, en attendant, bien entendu, comme je vous le disais avec impatience, la nouvelle vague. Et ensuite, on va passer à autre chose, à du motu. Voilà, les maîtres de l'univers Origins, donc la réédition améliorée, voilà, de nos figurines d'époque. Avec tout d'abord Mosquitor, voilà, chez nous on l'a connu sous le nom de Mousticor, avec sa tête de moustique. Voilà, c'est puis tout plein d'accessoires, hein. C'est une version de luxe. Et juste ici, comme la figurine G1, on a sur son plastron donc une réserve de sang qui se remplit ou qui voilà avec le niveau qui monte ou qui baisse en fonction donc voilà des mouvements qu'on fait. Hein. Ça fait comme une espèce de pompe voilà qui fait monter le niveau de sang absorbé, tout comme le G1. Voilà une figurine que j'ai toujours voulu avoir en G1 et même encore aujourd'hui, elle est devenue voilà, elle se trouve à des prix vraiment absolument horribles. Et encore, je suis poli. Donc du coup, bah voilà, à défaut de pouvoir avoir donc la version G1, je me fais plaisir donc avec la version Origins, voilà, qui fait partie de la Horde, donc avec Ordak et les autres, hein, qui font eux partie donc plutôt de la gamme Shira que Maître de l'Univers. Voilà donc pour le premier Mosquitor et le deuxième. Alors quand j'ai vu qu'il sortait, j'étais juste complètement dingue. Dingue pourquoi? Parce que c'est quasiment, voilà, c'est une pièce rare déjà, c'est une pièce de collection. Le voici, je vais réduire voilà, l'image. Nous avons ici donc les patchs, les origines du mal. Voilà. HEOEO exclusive depuis 1996. Voilà, Retroplay. Alors, ils n'existaient pas en J1, ils sont sortis en Classics, en tout cas pour ce qui est le cas de Keldor. Donc, qui est Keldor? Bah, Keldor était simplement, donc, est tout simplement Skeletor, voilà, à l'époque où il était encore, entre guillemets, humain. Voilà, un humain diabolique, avant qu'il fasse un pacte et il devienne donc le cruel Skeletor que nous connaissons ensuite. Voilà, donc ça c'était juste obligatoire, je n'en ai aucun, je n'ai pas le classique, il n'était pas sorti en G1, donc là, indispensable dans ma collection, donc avec son sceptre bélier de teinte, translucide et violet, donc comme le sceptre de Skeletor, à savoir qu'on peut intervertir la tête et les yeux, alors je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, hein, mais c'est comme s'il y avait voilà, deux petits rubis. Deux petits rubis, alors hop, voilà, à l'intérieur, vous voyez, on a les yeux vraiment brillants, voilà, réfléchissants, c'est très très beau. Et puis donc juste à côté, voilà, son sbire, Chronis, qui, si je ne me trompe pas, donc était la version de Tropjo ou d'Anthos, donc quand... Voilà, avant de devenir Dantos, donc quand il était encore voilà humain normal, hein, sans son bras bionique ni sa mâchoire d'acier. Voilà, au dos de la boîte, voilà ce que ça donne. Juste magnifique, même les dessins, regardez-moi ça, hein, regardez, les dessins sont absolument superbes. Voilà, de toute beauté. Donc voilà un petit peu donc pour les achats effectués auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys, donc Adèle Jazzy, voilà, qui, voilà, sachant que c'était mon anniversaire, m'a fait quelques cadeaux, et pas des moindres, vraiment des petites choses super sympas. Alors, nous avons tout d'abord, on va commencer par ça, le mug, voilà, aux couleurs de la boutique. Notre petit père Adèle Jazzy, voilà, Adelba Awards 2020, voilà, sa boutique hein, qui existe donc depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2006, hein, donc elle a prouvé vraiment, voilà, sa force, une boutique que je ne peux que vous conseiller, à chaque fois je mets son lien en description, mais voilà, si vous êtes fan de Transformers, de Maître de l'Univers, de Gundam, de Dragon Ball, d'un tas de choses, de comics, de bandes dessinées, de manga, de cosplay, d'accessoires cosplay,
de cartes, Star Wars, Macross, enfin je sais pas, j'en oublie encore plein au passage, hein, vraiment sa boutique, et c'est vraiment comme on peut le penser, donc c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, voilà, tout simplement. Et donc il m'a fait un autre petit cadeau juste ici, voilà, un petit donc gachapon de Mazinger. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Voilà, mini gachapon que je vais mettre donc sur mon étagère, voilà, dans mon salon, étagère réservée donc à tout ce qui est Goldorak, Gonagai et autres. Voilà, absolument superbe. Voilà. Ça va vraiment jeter avec le petit socle, et puis donc voilà notre pilote, voilà, connu plus tard donc sous le nom de Alcor dans Goldorak. Voilà un petit peu donc pour ce deuxième petit cadeau qui me touche beaucoup. C'est adorable, je suis fan, moi je suis un mordu des gachapons, donc voilà, c'était assurément, voilà, me faire plaisir. Et puis donc nous avons juste ici donc un super mini plat ou candy toy ou cabaye à gomme, voilà, ce sont les noms génériques. Maintenant on utilise plus le terme super mini plat, donc à savoir des petites maquettes à monter. Vous avez déjà vu, hein, j'ai l'occasion de vous présenter le Liveman, je ne sais plus, le Liveman aussi, etc, etc, le Léopardon. Et là donc voilà, là nous avons donc à l'intérieur apparemment deux figurines qui se transforme en robot, donc de la lignée Machine Robot. Machine Robot qui ne sont autres que les Gobots. Voilà, nous on avait connu les machines robots sous le nom de Gobots. Alors je suis étonné, il y a un T. À l'époque, il n'y avait pas de T, c'était robot, R-O-B-O. Voilà, je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais je pense que si, parce que ici on a voilà, le gentil, les gardiens, les gardiennes. Donc oui, 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 c'est bien ça, c'est bien la nouvelle lignée Gobots, version donc super mini plat à monter. Donc je me ferai un plaisir, bien entendu, de peut-être de faire une vidéo de montage, et puis de vous faire par la même occasion donc une petite revue de ces derniers. Il y a plusieurs véhicules. Voilà, ça me donne vraiment envie, envie tout simplement de les avoir. Et de ce que je vois, donc tous les véhicules ensuite s'assemblent pour former des robots, voilà, des colosses, de type combiners. Voilà, donc comme je t'ai dit, hein, Adèle, si t'as d'autres jouets de ce type-là, d'autres candy toys, super mini plats, n'hésite pas à me le faire savoir, hein, ça me plairait énormément. Je suis vraiment friand de voilà des petites maquettes à monter. Donc voilà, hein, le colis, donc le dernier colis donc de la boutique de mon partenaire Adèle Jazzy aux Akatoys. Je mettrai bien entendu le lien de tout le monde, hein, dans la description. Donc nous avons deux Transformers Core Class Soundwave Optimus Prime, un petit gachapon de Mazinger en cadeau. Toujours en cadeau, le mug aux Akatoys, deux petits super mini plats ou candy toys, donc machine robot, le maître de l'univers Origins Mosquitor, et donc le pack collector Keldor Origins Chronis. Voilà, les origines du mal qui vont rejoindre ma collection. Voilà, que dire, bah écoutez, merci à toutes et tous, hein, pour tous ces cadeaux, tous ces petits mots super sympas. Ça me touche énormément, mais vraiment énormément. D'ailleurs, je remarque que j'en ai un tiers que j'ai oublié de vous montrer. Donc je reviens dessus vite fait. Parce que bon, si j'oublie des choses, c'est un peu bêta. Donc voilà, un petit achat que j'ai effectué, voilà, sur Vinted. Pour une bouchée de pain. Une bouchée de pain. Nous avons juste ici, donc, voilà, un mini gachapon. Voilà, tout petit, mais articulé, avec des accessoires, donc du Denzi robot, issu donc de la série Denziman. Pourquoi j'ai acheté la version mini gachapon alors que j'ai la version de luxe? Tout simplement parce que j'ai le transporteur, mais pas à l'échelle de luxe, à l'échelle standard, donc qui est beaucoup plus petit, et du coup, donc, en termes d'échelle, la version, donc cette version gachapon, donc devrait fitter à merveille donc avec le mini Denzi Tiger que je possède. Voilà pour le dernier cadeau que je me suis fait. Voilà, cette fois-ci j'ai rien oublié. Que dire, voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai été gâté et j'attends encore des choses, donc voilà,
Je vous ferai peut-être donc la suite de cette vidéo fin de semaine ou début de semaine d'après. Tout va dépendre un petit peu du rythme auquel je vais recevoir les choses. Je remercie encore donc infiniment ma femme, mon beau-fils donc Igor, Lucas, Damien, Laurent et Adèle donc de la boutique Osaka Toys. Merci à vous les amis, merci pour ces cadeaux, pour ces affaires, pour ces transactions, toujours en béton armé. Que dire à part, bah, je vous aime très fort tous, hein, je vous kiffe, vous êtes vraiment de belles personnes. Donc je suis vraiment content de vous avoir, tout simplement, d'être aussi bien entouré par des personnes vraiment prévenantes, avenantes et passionnées comme moi. Ne changez rien, restez fidèles à vous-même. Et puis, bah, les amis, comme toujours, hein, n'hésitez pas, donc, si vous le souhaitez, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou en tout cas, voilà, de tous ces petits achats et cadeaux. Et d'avance, merci infiniment, bon, pour tous vos petits pouces bleus. Alors, je vois que la vidéo est pas loin des 38 minutes, donc je vais arrêter là, je pense que c'est largement suffisant. Mais comme vous avez pu le voir, hein, j'ai été super gâté, donc j'avais quand même plein de choses à vous faire découvrir. Donc voilà, merci comme toujours pour votre fidélité. Merci pour ce que vous êtes. Merci de faire en sorte que voilà que ma chaîne soit là où elle en est actuellement. On n'est plus très loin maintenant des 1690 abonnés. Donc voilà, merci à vous. Des bisous donc aux nouveaux abonnés hein, qui me font confiance. Merci en tout cas, oui, merci en tout cas pour votre confiance. Voilà, et puis surtout, bah, bienvenue dans notre petite famille et communauté. Voilà, et bien entendu, plein de gros bisous donc aux plus anciens. Voilà, toujours là, fidèles au poste. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine, rendez-vous donc vendredi pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon courage, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. J'en veux en voir un mécan, j'en veux en voir un mécan, ouais, moi aussi j'en veux en voir un mécan. Mouais, il y a vraiment du favoritisme ici. Moi je dis. Ouais, mais toi en même temps, t'as deux gens en méca, alors moi aussi c'est normal. Mouais, je suis vexé. Je boude. J'en veux en voir un mécan, j'en veux en voir un mécan, ouais. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.